À dire la vérité, j'ai été véritablement séduit par cet instrument qu'on retrouve ici. Tiens, je vous l'amène directement à l'écran, format contact. Heterol Guitar Texture. Ça vient de la maison, ça, In-House Instrument. J'ai trouvé cette magnifique proposition sur le site Piano Book. Ça fait déjà quelques temps. Et c'est pour ça que je vous l'amène à nouveau à l'écran pour vous permettre peut-être de le connaître davantage. Et peut-être, si vous souhaitez, de le télécharger, puisque au moment où je vous parle, nous sommes au mois d'août 2024, l'instrument virtuel est toujours disponible sur le site Piano Book. Comme vous savez peut-être, le site Piano Book est un peu en suspens ou en arrêt. On verra pour la suite, mais au moment où je vous parle, il est toujours actif et vous pouvez donc télécharger cette version en format contact. Contact qui fonctionne sur PC Macintosh, je l'ai ouvert ici avec Apple Logic, vous auriez pu être avec Cubase, peu importe. À partir du moment où vous avez la version de contact, vous intégrez l'instrument, l'installation selon vos normes, les normes audio, qu'ils soient VST, AU, peu importe, vous l'aurez donc ici à l'écran. C'est un instrument qui est à la fois simple et brillant, c'est-à-dire que Ethereal Guitar Texture, vous avez ici dans le mode de présentation visuelle, c'est très simple. L'image, vous voyez une guitare avec un petit outil ici qui s'appelle un e-bow, Electronic Bow, que l'on se sert principalement au niveau de la guitare électrique pour simuler l'archet. Donc, ce que ça donne au niveau de l'effet, quand on le pose sur la corde, c'est que vous avez un sustain indéfini. Tant que vous aurez la batterie, le son va durer comme si on avait effectivement un archet au violon, où vous avez toujours le maintien de la vibration du son. C'est ce que ce petit outil permet de faire. Il est actionné effectivement avec une petite pile. On s'en sert surtout sur la guitare électrique, mais on s'en sert également sur le piano. On a vu des éléments effectivement dans les cordes graves qui font effectivement, donnent une résonance vraiment fantastique à cet élément. On l'a rarement eu comme ici avec la guitare acoustique, donc une guitare un peu plus ouverte, résonante, avec des cordes de métal toujours. On la voit ici. Ce qui est intéressant de celle-ci, c'est non seulement de l'appliquer avec une guitare acoustique, mais aussi de faire de ses défauts, d'une certaine manière, des qualités. Quand on appuie légèrement l'outil sur la corde, il se crée un moment de friction. Et c'est ce qu'on entend quand on laisse la note, quand on laisse le doigt sur la note. Écoutez bien. Moi, j'adore l'idée. J'adore l'idée parce que ce personnage rythmique sonore qui arrive est un peu. Il a l'air d'un intrus, mais on va s'en servir pour effectivement créer des qualités au niveau de sa présence d'une certaine façon. Comme il fait partie de l'échantillon, évidemment, il va modifier son rythme ou sa nature de réponse en fonction du registre où vous serez. Plus vous allez vers l'aigu, plus la réponse sera rapide, plus vous allez vers le grave, évidemment, plus il sera étendu dans l'espace. Si je prends exemple, tiens, je vais partir ici.
Moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce genre de. J'appelle ça du bavardage, puisqu'on n'a pas de contrôle là-dessus, seulement en maintenant la note. Et c'est cette petite friction de la corde, mais c'est surtout le fait qu'il est fait, ou en fait, à partir d'un instrument acoustique, puisque la guitare acoustique permet ce genre d'élément, puisque la guitare électrique, je ne sais pas si ça aurait fonctionné de la même façon. Tandis qu'ici, à cause du corps de l'instrument, ça nous permet d'aller chercher cet élément qui est la friction juste avant de déposer l'élément directement sur la corde. En ce qui concerne l'interface d'accueil, vous voyez ici, c'est relativement simple. On a le titre, Ethereal Guitar Textures, la maison de fabrication, la signature, In-House Instruments. Ici, un bouton central, médaillon central, qui nous permet d'avoir un signal soit sec ou vraiment amplifié, avec surtout la réverbération. Donc, on va voir ici quand je relâche. Non, ça crée complètement autre chose. Le son est toujours enveloppant, il est toujours présent, mais sa résonance rythmique avec les petits personnages, appelons-les comme ça, deviennent différents. Ici, je l'ai avec une réverbération peut-être un peu plus limitée. Et c'est uniquement l'élément que vous aurez. Effectivement, si vous souhaitez modifier le son au niveau de sa source, de ses ressources, simplement avec le petit outil, ici, on arrive effectivement dans les coulisses de la fabrication du timbre, du son, avec les ajouts, les échantillons qu'on va retrouver à l'intérieur de ça. Et effectivement, jusqu'au bout, avec l'ADSR, Attack, Decay, Sustain and Release. Donc, tous ces éléments sont disponibles effectivement à partir de n'importe quel élément qui appartient à la formule contact. C'est vraiment une façon très simple d'aller directement dans les coulisses. Et toujours, comme il est de mise, bien, vous avez ici le nom de l'instrument en format .NKI pour Native Instrument Contact. Et on retrouve ici les échantillons qui ont servi à la création de l'instrument. Je vous amène rapidement, pardon, sur le site comme tel. Voici, je suis sur pianobook.co.uk pour United Kingdom. Pianobook, donc voici Ethereal Texture. Petite histoire au niveau de la fabrication de l'instrument avec une vidéo qui met en contexte cette histoire en question. Voici le logo. Format de téléchargement Kontakt 207 MB, c'est pas si lourd que ça. Ça se fait très bien, ça se porte très bien. Et voici l'interface auquel je vous ai montré tout à l'heure. Et on a à la suite de ça certains commentaires qui sont en ce cas-ci, j'abonde dans le même sens. C'est un instrument qui est fantastique, qui est unique, qui est léger et qui permet de mettre en relief certaines textures en complémentarité avec ce que vous avez ici dans votre bibliothèque. Moi, j'ai conçu ce petit intermède musical très bref avec quelques complices. J'avais ici le Joshua Melzer. Le Serendipity, qui est un instrument un peu particulier. Je pense que j'avais déjà fait une capsule à ce niveau, puisque celui-là, toujours en format contact, j'ai pris tous ces éléments sur le site Pianobook. Je vous les amène ici à l'écran. Serendipity, voici. Ici, qui crée un petit nuage. Petit nuage un peu aléatoire au niveau de la texture de l'instrument comme tel. Serendipity Cluster, celui-ci qui est une autre trouvaille est vraiment intéressante et pas si évidente que ça puisque celui-ci, à chaque fois que vous appuyez sur la note, vous aurez des sons différents. J'appuie toujours sur la même note Do. Donc, c'est l'effet de surprise. Parce qu'à chaque fois qu'on utilise même la même note, on aura toujours des choses différentes pour exprimer vraiment l'idée de la sérendipité, c'est-à-dire de trouver des choses qu'on ne cherche pas ou de jouer avec ce jeu de recherche à ses erreurs, etc. Donc, c'est pour ça qu'il est un peu déstabilisant puisque vous allez faire un arpège ou un maintien, un accord. Et vous refaites le même accord et vous aurez un résultat différent. Serendipity. C'est fantastique.
Donc, c'était mes complices en particulier. Et j'avais aussi, mis à part le In-House Instrument Lateral Guitar Texture, j'avais aussi un complice fort intéressant que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Ici, que j'ai mis avec une pulsation pour donner une espèce de soutien rythmique. Je vais vous en parler de ça plus longuement le temps que je prenne pour l'étudier. C'est un instrument qui vient effectivement de Holy Music. Et ça s'appelle Guitar String. Je vous l'amène ici. Strings. C'est ça, voilà. Voilà, c'est au niveau des échantillons de la guitare. Il y en a de vraiment de toutes sortes. Il m'a fasciné dès le début, mais je vous le présente. Je vais prendre le temps de l'étudier avant de vous le présenter. Et je vais terminer cette petite vignette sonore. Dans la plupart des logiciels, c'est pas toujours évident qu'on se sert de ça. Moi, je travaille presque exclusivement toujours en mode de partition défilante, un peu comme ça. On retrouve un peu la durée, la hauteur du timbre, de l'attaque, sa durée. On a ici en dessous la vélocité, etc. Et on voit nos paramètres MIDI auxquels on va jouer pour, par exemple, le pan, le volume, etc. Et moi, à 99%, c'est toujours la façon que je travaille. Mais il ne faut pas oublier que dans certains cas, on peut avoir accès à la partition qui, comme vous l'avez vu ici, à la toute fin, je m'amuse sur deux accords qui sont vraiment intéressants. Tiens, je vais aller remettre ici. Puisque je joue sur l'ambiguïté de Sol mineur, Sol si bémol Ré et Mi mineur. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est qu'on se joue de certaines notes. Dans Sol mineur, le Sol est la tonique. On a Sol, Si bémol, Ré. Sol tonique. Ce même Sol va devenir la tierce mineure dans l'accord de Mi mineur. Puisque Mi mineur, c'est Mi, Sol, Si. Ces deux accords qui sont quand même relativement loin un de l'autre, permettent d'avoir cette ambiguïté à cause du Si bémol qui est dans l'accord de Sol mineur et le Si bécard qui devient la quinte dans l'accord de Mi mineur. Moi, c'est un lien harmonique que j'aime bien, ça. D'aller chercher des accords qui sont très loin un de l'autre et essayer de voir comment on peut les combiner. C'est sûr qu'ici, avec une texture un peu enveloppante de cette nature, ça permet effectivement de faire ce genre de jeu. Donc, parlant de genre de jeu, bien, c'est à mon tour de vous remercier de votre écoute et en espérant que cette capsule a su mettre un peu d'étincelle dans votre pensée musicale. Je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur le site Piano Book avant que le rideau ne tombe, on ne sait pas. Mais au moment où je vous parle, encore une fois, tout est disponible et ça me fait bien plaisir de vous présenter une fois de plus ces instruments qui sont magnifiques, la plupart en gratuité et qui sont donc disponibles en format contact, ceux-ci. Donc, merci de votre écoute. Salutations aux nouveaux abonnés. Si vous souhaitez partager la capsule, ne vous gênez pas. Et de partager l'enthousiasme de la musique, c'est toujours un véritable plaisir. C'est à mon tour maintenant de vous souhaiter une bonne inspiration et surtout une bonne suite. À bientôt. Au revoir.